pris ça à la chair d'avoir organisé cet événement-là. Ce que je veux faire aujourd'hui avec vous, très, très rapidement, c'est de faire une introduction aux concepts bibliométriques qui sont associés à la communication savante. On va passer assez rapidement, évidemment, sur chaque concept. Et donc, j'irai au premier immédiatement, question de ne pas perdre de temps. Le facteur d'impact. À peu près tout le monde ici a entendu parler du facteur d'impact. C'est un indicateur qui a été créé, en fait, au départ, pour aider les bibliothèques à choisir les revues auxquelles s'abonner. Donc, ce n'est pas un indicateur qui servait à faire de l'évaluation de la recherche, mais bien un indicateur pour aider les bibliothèques. Or, cet indicateur-là a beaucoup de limites, puis c'est important de le rappeler parce que souvent, et particulièrement dans le domaine médical, on fait l'utilisation du facteur d'impact qui est très naïve. Hein, on dit, ah, ben, il y a un facteur d'impact de 1.1, l'autre revue c'est 1.2, donc elle est nécessairement meilleure. Les choses sont un peu plus compliquées. Première limite, c'est un indicateur qui n'est pas comparable entre les disciplines. Donc, si vous êtes un chercheur dans le domaine de la santé publique, votre revue qui a son facteur d'impact est plus élevé est probablement beaucoup plus faible qu'un facteur d'impact dans le domaine du cancer. Donc, il faut absolument comparer ces valeurs-là d'un domaine à l'autre. C'est comme comparer des pommes avec des oranges. Deuxième élément, le facteur d'impact, c'est une moyenne. Hein? Donc, c'est un nombre moyen de citations reçues sur une période de 2 ans. Or, c'est un indicateur qui est basé sur une distribution de citations qui est non paramétrique. C'est donc dire qu'une minorité d'articles qui sont cités, une majorité d'articles qui ne sont pas cités. Ça veut donc dire que c'est une moyenne qui est plus ou moins valide, compte tenu que ce n'est pas basé sur une distribution qui est normale. Donc, une revue qui a un facteur d'impact de 2, en toute probabilité, la majeure partie de ces articles, peut-être 75% des articles de cette revue-là, recevront même pas 2 citations. C'est donc un très mauvais prédicteur du nombre de citations que l'article publié dans la revue va recevoir. Troisième élément, et c'est peut-être le plus, je dirais, déprimant, c'est qu'il y a une erreur de calcul dans le calcul du facteur d'impact. Hein? Non, c'est impossible, Vincent. Non. Oui, il y a une erreur de calcul. Donc, on compte au numérateur l'ensemble des citations qui sont reçues par la revue, mais on ne divise ça que par les articles et les articles de synthèse. Donc, une revue qui publie beaucoup de lettres à l'éditeur ou d'éléments nouvelles comme Science and Nature, par exemple, voit leur facteur d'impact surestimé. Donc, on compte des éléments au numérateur et il y a d'autres éléments qu'on ne compte pas au dénominateur. Enfin, la fenêtre de citation, elle est un peu trop courte pour les sciences sociales et humaines parce qu'on parle seulement donc, de l'impact sur 2 ans, qui évidemment ne permet pas d'apprécier l'impact sur le long terme. Et enfin, c'est peut-être, je dirais, la limite, qui n'est peut-être pas la plus importante, mais qui est à tout le moins la plus intéressante pour moi en sciences de l'information, c'est sur l'effet de l'ère digitale sur le pouvoir prédictif du facteur d'impact. Donc, ce que vous avez ici, c'est l'évolution du R carré, donc de la corrélation, entre le facteur d'impact de la revue et les citations reçues par des articles. On voit donc que l'effet facteur d'impact se renforce pendant la majeure partie du 20e siècle, sauf depuis, en gros, le milieu des années 90, qu'on appelle souvent l'arrivée de l'ère numérique. Et depuis l'arrivée de l'ère numérique, on voit que le facteur d'impact est de moins en moins un bon prédicteur du taux de citation que vous allez recevoir après publication. Donc le facteur d'impact, c'est un indicateur qui n'est pas inintéressant, mais qu'il faut prendre avec des pincettes, parce qu'il y a beaucoup de limites. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui doivent vous aider à choisir dans quelle revue publier. Les Nature Science, le New England Journal of Medicine sont des revues qui ont une aura qui est extrêmement importante. En publier là-dedans pour un chercheur, ça change la carrière et par conséquent, ça change la vie, hein? Vous vous en doutez tous. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que ces grandes revues-là, depuis en gros le début des années 90, sont de moins en moins bonnes à attraper les meilleurs articles. Il y a de plus en plus des articles les plus importants qui ne sont pas publiés dans ces grandes revues-là. Donc, on prend par exemple PNAS. Au milieu des années 80, 9% des articles qui étaient parmi les 1% les plus cités étaient publiés dans PNAS. Pensez-y, là, c'était vraiment un attracteur de grandes découvertes. Depuis ce moment-là, on voit un déclin. Donc, ces grandes revues-là ont de moins en moins le monopole des grandes découvertes savantes. Les grandes découvertes savantes sont de plus en plus publiées à l'extérieur de ces revues savantes, dans lesquelles, évidemment, on veut toujours encore publier, mais il y a d'autres revues extrêmement importantes qui réussissent à attirer les grandes découvertes. Assez facilement, s'il vous plaît. Autre effet qui est important de considérer, c'est un peu le pétrin dans lequel on est collectivement par rapport aux grands éditeurs savants. Vous savez que les revues auxquelles on a accès en ligne dans nos universités, pour la plupart, ce n'est pas des revues gratuites. Hein? C'est des revues qui coûtent énormément cher et qui appartiennent, dans beaucoup de cas, à des compagnies privées dont le pain et le beurre, c'est la vente, si vous voulez, la revente aux chercheurs des découvertes qu'ils ont eux-mêmes écrites.
Donc, évidemment, ça amène des marges de profit assez hallucinantes. Mais ce qui est important de comprendre ici, c'est l'effet du numérique sur la consolidation du monde de l'édition savante. Donc, on est passé d'un monde qui était composé de revues indépendantes, qui n'appartenaient pas à ces 5-6 grands éditeurs-là, un monde qui est extrêmement concentré, autant en sciences naturelles et médicales à gauche que dans les sciences sociales et humaines à droite. Il y a 5 grands éditeurs savants qui contrôlent plus de la moitié des articles. Donc, on est un peu dans le pétrin du point de vue des bibliothèques parce qu'on ne peut plus se désabonner à ces grands ensembles-là parce qu'ils contiennent une part de plus en plus importante de la littérature savante. À cet aspect-là, le H-Index. Est-ce que... Qui a entendu parler du H-Index ici? Le H-Index est un indicateur bibliométrique, encore, qui vise à mesurer, à évaluer à la fois l'impact et la productivité d'un chercheur. Donc, c'est un indice qui vise à mettre, dans le fond, dans un seul nombre, deux dimensions différentes de l'activité de recherche, à la fois, donc, la quantité d'articles que vous publiez, mais également leur qualité ou leur impact scientifique, tel que mesuré par les citations. C'est un indicateur qui est écrit par un physicien qui s'appelle Jorge Hirsch, qui a vraiment eu un effet immense sur la communauté scientifique. Avant le H-Index, il y avait précisément le facteur d'impact, qui était un indicateur qui avait une réputation aussi grande dans la communauté scientifique. L'indice H, qu'est-ce que c'est? Et là, vous ne voyez peut-être pas très bien à cause de la table, mais c'est en gros votre nombre d'articles qui ont au moins autant de citations que ce nombre d'articles. Ça se dit très très mal en mots. C'est pour ça qu'on illustre en général avec une image. Donc, pour obtenir votre indice H, votre 1000 articles, mais qu'il y en avait seulement 5 qui avaient... Attends, comment je pourrais dire? Je vais le dire autrement. Je vais l'inverser, OK? Parce que c'est un indice qui est extrêmement problématique à beaucoup d'égards. Le premier problème, c'est qu'il ne prend pas en compte vos articles qui sont hautement cités. Donc, disons que vous avez 10 articles et que vos 10 articles sont cités 10 000 fois chaque. Votre valeur de H, c'est quoi? C'est 10. Parce que vous avez 10 articles qui ont au moins 10 citations. Évidemment, ils ont beaucoup plus que 10 citations. Mais votre valeur maximale de H, c'est quoi? C'est P. Votre H ne peut pas être plus élevé que P. Donc, si on a un grand chercheur, mais qui a eu une vie très brève et qui a seulement écrit 2 articles, et que ces 2 articles sont cités, je vais aller plus loin, 1 million de fois chacun, la valeur de H, c'est quoi? C'est 2, parce que c'est limité. Donc, si on prend à l'échelle d'un groupe de chercheurs la relation entre P et la relation entre H, donc entre publication et entre la valeur de H, on a une corrélation quasi parfaite. Parce que dans le fond, ce qui détermine votre valeur de H, c'est votre nombre de publications. Donc, ce n'est pas un très très bon indicateur de l'impact et de la production savante. En bout de ligne, ce n'est qu'un indicateur de votre production savante. Évidemment, plus vous êtes vieux, plus vous avez produit dans votre carrière en général. Donc, un des grands déterminants de votre indice H, bien, c'est votre séniorité. On ne peut pas s'attendre à ce qu'un jeune chercheur qui est au doctorat ou qui est au post-doctorat ait un immense H-index. Ça va nécessairement être un indice H qui est donc beaucoup plus bas. À cet aspect-là, s'il vous plaît. Ce qui m'amène au Admetrix. Là, donc, on passe à une mesure qui est assez récente dans le paysage de la communication savante. En fait, les Admetrix, c'est un peu comme la musique alternative dans les années 90. Hein? C'est tous les indicateurs qui ne sont pas du rock. Dans ce cas-là, c'est tous les indicateurs qui ne sont pas des citations et qui sont donc basés sur les médias sociaux en grande partie. Donc ici, vous avez un article publié dans Nature, vous voyez peut-être pas très bien, un peu plus bas, vous avez un petit bouton qui est écrit, sur lequel est écrit « Article Metrics » à cet état suivant. Et là, on vous envoie à l'attention que cet article-là a reçu en ligne. Donc vous avez le nombre de tweets, le nombre de pages Facebook où le lien a été partagé, les liens Google+, parce que je pense qu'il y a encore 3-4 personnes qui utilisent ça, les éléments de nouvelles, les liens Reddit, le nombre de blogs, etc. Donc ça permet vraiment d'avoir une visibilité globale, un portrait global de la visibilité que les articles ont obtenu en ligne. Suivante, s'il vous plaît. Vous pouvez également aller voir quels sont les tweets qui sont associés. Donc, on peut non seulement obtenir des scores, mais également obtenir les tweets à proprement parler. Suivante, s'il vous plaît. Et l'attention, l'endroit où l'article a été tweeté. Donc, de plus en plus de gens veulent se servir de ces indicateurs pour mesurer l'impact
et là je prends d'immenses guillemets, sociale de la recherche. Évidemment, il y a quelque chose, une chose qui existe en science, en études sociales de la science, qui s'appelle l'impact social. On étudie ça depuis 25 ans, 30 ans. C'est extrêmement difficile. Là, de plus en plus de gens pensent que l'on peut faire ça avec les tweets. J'ai certaines réserves et vous allez voir pourquoi. Suivant. Voici l'article de physique le plus tweeté de l'histoire de l'humanité. Pourquoi cet article-ci a-t-il été tweeté autant? Mais c'est à cause de la... C'est à cause de son abstract qui est un exemple de breveté. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais bon. Il est très court, son abstract. Donc, le titre, c'est une question. Donc, « Can apparent superluminal neutrino speed be explained as a quantum weak measurement? » Suivante. Pardon, vous ne voyez pas, mais vous pouvez peut-être le voir entre ici. L'abstract, c'est « probably not ». Donc, c'est génial. Est-ce que ça fait de cet article-là un article qui a un immense impact social? J'ai quelques petites réserves. Suivant, s'il vous plaît. Ici, vous avez, je pense que c'est le 8e article le plus tweeté de l'histoire de l'humanité. Okay? Et là, vous voyez ça, donc variation dans le mélanisme et dans la préférence des femmes, blablabla. Ah, okay, c'est un bel article d'écologie. Pourquoi cet article-ci a été si tweeté? Suivant, s'il vous plaît. C'est à cause de, disons, une erreur, on pourrait dire, parce que c'est comme ça que les erreurs l'ont dit. On n'a pas vraiment corrigé nos épreuves. Donc, l'article, il est paru comme ça. Et donc, évidemment, Gabor s'est senti légèrement mal. Je comprends maintenant qu'est-ce qu'on pense de mes travaux. Je vous confirme que l'article final cite le papier de Gabor en bonne et due forme. Et donc, assez rassurant, s'il vous plaît. Donc, les articles les plus tweetés, c'est pas les articles qui ont, en gros, l'impact scientifique le plus important. Pour la plupart, c'est des articles qui ont quelque chose soit de catchy ou soit qui contiennent des erreurs, en fait, qui contiennent des aspects ludiques, comme ce qu'on a vu juste avant. L'article le plus tweeté l'an passé, c'était l'article dont vous avez peut-être entendu parler sur la contagion sur Facebook. Donc, ce qu'a fait Facebook, c'est une immense expérimentation sans consentement éthique, où là, on a mis, pour certaines personnes, de l'avant les commentaires négatifs et tristes de leurs amis. Et là, on voulait voir si ces personnes-là qui étaient exposées à des commentaires tristes allaient être aussi tristes dans leurs propres commentaires qu'elles allaient faire sur leur page. Et là, on voyait qu'effectivement, il y avait ce qu'ils appellent un « massive scale emotional contagion ». Évidemment, c'est des résultats de recherche qui sont super intéressants, mais ça, les gens ont surtout crié parce que ce qu'on est allé faire chez Facebook, c'est jouer avec les sentiments des gens. On est allé les rendre tristes et mécontents alors qu'ils n'auraient peut-être pas été. Le deuxième, c'est notre super article de Crappy Gabor Paper. Celui-là qui est génial, les chiens sont sensibles aux petites variations dans les champs magnétiques de la Terre. Le temps de survie des chocolats sur les hôpitaux. Donc, vous voyez, ce qui est tweeté, c'est nécessairement des trucs qui sont ludiques, amusants. Ça ne veut pas dire que les tweets, c'est seulement ça. Mais ce qui se retrouve en haut de la liste, c'est pour ces raisons-là. Une fois qu'on a passé au travers des articles ludiques, un peu plus loin dans la distribution, effectivement, il y a des articles qui vont se voir, qui témoignent d'un réel impact social, où là, c'est les groupes de patients qui tweetent, etc. Mais en haut, dans la plupart des cas, pour devenir viral et obtenir ces scores-là, c'est nécessairement des aspects ludiques. Suivant, s'il vous plaît. Ce qui m'amène au dernier point que je veux présenter, c'est l'accès libre. On vous parle sans doute d'accès libre. Il y a un élément qui est crucial à comprendre, c'est que plus de 85% des revues vous permettent de faire de l'auto-archivage. Donc moi, quand j'entends mes collègues dire « Ah, je ne peux pas publier en accès libre parce que je n'ai pas d'argent », ce n'est pas une question d'argent. L'auto-archivage, c'est-à-dire prendre la version finale de votre article et la mettre dans le dépôt institutionnel ou la mettre sur votre site web, 85% des revues le permettent et même les grands éditeurs à profit. Donc, il n'y a pas d'excuse pour ne pas mettre son article en accès libre. Il y a d'excellentes raisons pour le faire à cette étape suivante. D'une part, les articles en accès libre sont plus cités. Il y a plein de raisons qui expliquent ça. D'une part, la disponibilité, mais également le fait que votre article peut être disponible avant même qu'il soit publié, donc il bénéficierait de ce qu'on appelle un « early citation effect ». Et deuxième élément, qui est que les pays en voie de développement, évidemment, ne sont pas capables de se payer des abonnements aux revues. Si l'UDS et les autres universités québécoises ont de la misère, en toute probabilité, les universités des pays en voie de développement ne sont pas capables non plus. Donc, plus ça tire vers le orange et rouge, plus ces pays-là citent de façon surreprésentée, si vous voulez.
voulez, les articles qui sont publiés en accès libre. Donc, il y a des raisons éthiques également pour publier ces articles et pour rendre disponibles ces articles en accès libre. Suivant, s'il vous plaît. Ce qui m'amène à la conclusion, et je dirais à une proposition peut-être un peu plus subversive. Dans ce contexte-là numérique, à quoi servent les revues? Pourquoi on a encore besoin de revues savantes aujourd'hui? Est-ce qu'on a vraiment besoin de revues pour diffuser des résultats de la recherche? Mais pas vraiment. On est capable de se servir des voies institutionnelles et de plein d'autres formes qui sont indépendantes de la revue pour diffuser les résultats. Pour archiver les découvertes, bon, pas vraiment. La fonction de diffusion ou la diffusion, la fonction, le dépôt institutionnel peut très bien faire ça. Et l'évaluation par les pairs, dans les faits, la revue ne fait que le gérer. Hein, c'est les auteurs et les autres chercheurs qui font ça, et à titre gracieux. Donc, la fonction principale de la revue aujourd'hui, c'est une fonction qui est essentiellement symbolique, qui est une fonction d'octroi et d'octroi de capital scientifique et de hiérarchisation des chercheurs et des découvertes, du style, vous avez publié dans Science et Nature, vous êtes très bon, je vous donne une promotion, vous publiez dans de moins bonnes revues, je vous donne pas de promotion. Donc, c'est une fonction qui je dirais, historiquement plus secondaire, et aujourd'hui, c'est à peu près la seule fonction qui reste aux revues. Et il faut donc comprendre comment ce processus d'octroi de capital symbolique fonctionne, et je pense que c'est ce dont on va parler dans le reste de la soirée. Donc, merci.